Yep, 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 YouTube, c'est chez Loser, on est sur Hellpoint, on continue notre let's play. Et on va essayer, bien sûr, donc là, je suis retourné au hub. Et puis, ben, on va essayer de continuer un petit peu les différentes zones. Peut-être aller combattre un boss, puisqu'il y avait un boss à Alma Mater Atrium, il me semble, qu'on n'avait pas fait. Alors, j'ai rien fait hors vidéo, hein, franchement. La seule chose que j'ai faite, c'est un petit peu de ménage. Puisque j'avais quand même pas mal de doublons au niveau de mes armes, etc. Donc voilà. À part ça, rien de particulier. Donc premièrement, je vais déjà éventuellement monter un petit peu mon arme. Donc toujours ma dague de cérémonie. Je peux la monter en plus 3. Fin de compte, je monte le mêlée de réflexe qui monte en même temps la dague. Donc, est-ce qu'après le conducteur de mêlée, je pourrais pas le mettre sur une autre arme? Peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, ça c'est fait. Et il me reste 3418. Hop, 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 non, attends, attends. Je vais voir si je peux pas monter l'aideron de lumière. Donc déjà, conducteur de canaliseur. Eh oui. Et je peux le mettre en plus 2. Je mets. Voilà, donc déjà j'ai augmenté un petit peu la puissance de mes armes. J'ai regardé ce qu'on avait récupéré dans les dernières vidéos. Bon, l'armure, c'est pour l'instant celle-ci qui est la plus résistante. Mais par contre, on avait récupéré, et ça, je vais faire donc du craft. On va le faire ensemble parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc j'ai désassemblé les doublons que j'avais. J'ai transformé toutes les ressources que j'avais. Du coup, là, je peux plus... voilà, hein, j'ai tout transformé tout simplement. Et en regardant imprimer modèle, j'ai vu ici modèle de casque de combinaison de sortie extra-véhiculaire. Ah oui, d'accord. Oui, mais j'ai pas le masque de la combinaison, donc je peux pas le faire. Ah d'accord, par contre, il me faudra 3 en force, 3 en cognition. Ah, donc ça en plus, j'ai pas les stats requises. Mais j'ai surtout pas la combinaison endommagée. Bon. D'accord. Mais je pensais que je l'avais récupéré, mais non. J'ai récupéré seulement le plan pour faire une non endommagée. Bon, mais c'est pas grave. On la cherchera, hein. On essaiera de la trouver. Hein. Pour pouvoir sortir, on va dire, puisqu'il y avait deux zones, il me semble, hein, une zone au tout début du jeu. Et une autre zone, il me semble, où il fallait qu'on sorte. Donc, moi, je vais faire... Alors, le boss, je sais qu'il était ici, demeure Ostego. Et je crois qu'on s'était arrêté... Ouais, à mon avis, Alma Mater Atrium, il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'endroits à ce niveau-là. Là, déjà, il y en a deux. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Alors, j'essaye de me re-repérer. Donc, là, c'est bloqué. On avait combattu un... Qu'est-ce qu'il fout, lui, en haut, là? Ouais, ouais, si, si, c'est ça. Donc, on avait combattu juste là. Là, il y avait un petit mob, et ce style de mob, on l'avait combattu. Je vais me mettre... Je vais lui mettre un petit coup de ça. Voilà. Je crois que c'était le second chevalier Archon. Et le pauvre, voilà, bah, il était juste là. Hein. On l'avait défoncé avec le cube. Bon, et bien du coup... Il y a le Golgoth là-bas, et ici, il n'y a rien du tout. Si, 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 il n'y a pas rien du tout. Voilà, et du coup, lui... Lui, on le défonce. Ouais, 1111 actions, c'est pas mal. Je regarde s'il n'y a pas un petit passage. Un petit passage secret.
Bon, eh ben allez, on va aller ici alors. On va aller affronter Billy. Oui, Billy, il faut viser. Ah ouais, d'accord. Il n'a pas la puissance du boss, hein. Mais 1150, c'est toujours intéressant. Petite piécette, tiens, ici. Donc. Belle petite tache de sang. Eh ben là, Billy. Alors, ça. Ok, on repart à Alma Mater. Pop, 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 pop. Donc là, c'est Alma Mater, c'est pas Alma Mater Atrium. Attention, où je suis là? Je sais pas où je suis, mais j'y suis. Lunettes de temple de sable. Ouais. Donc. Eh ben, on va fouiller ici, hein. Donc là, ok. Là, on est à Alma Mater. Nous ont enlevé le atrium. J'ai l'impression qu'il est, il est noir, le chevalier, là. C'est pas un chevalier blanc. Matériaux plasma solide. Ouais, il est sombre celui-là. Ouf, pas mal. Pas mal tout ça. Tu n'aimes pas mon cube de lumière. Ouais, donc eux, tout ce qui est sombre, franchement, mon cube. Très sympathique. Une pièce ici. Par contre, là, j'y vois vraiment rien. Je vais mettre ma petite loupiote. Matériau. Cœur de fission. Ouais, ici. On peut descendre. Je vais zioter avant un petit peu partout là. D'accord. Là, on a encore des chevaliers. Ici, un ascenseur. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Examiner. Se connecter. Au monolithe de mauvais augure. Bon, attention, là, attention, on va éviter. Alors, le chaos et la dépravation réduisent notre civilisation jadis majestueuse en cendres. Nous nous souvenons du passé et c'est pourtant délibérément que nous succombons à nouveau et une dernière fois à nos engouements par le biais de cette nouvelle conformité. D'accord, donc on a ce style de stèle bizarroïde. On a pas mal de choses ici là. L'ascenseur, bon, c'est que ça peut nous emmener encore dans une autre zone. Donc moi je vais prendre déjà ici. Attention là, je suis peut-être bas là, je vais tomber là. Ouais, parce que c'est pas le moment de tomber bêtement quand même là. Hop, ouais, j'ai bien fait de me mettre à moitié parce que sinon là, complètement en bas, je vais taper contre le rebord, hein. Les petits coquins. Donc là, on a un objet. Ah, super. On va synchroniser. Est-ce que j'ai des synchronisateurs encore? Je vais regarder.
Je vais la synchroniser celle-là. Parce que. C'est vu que c'est une autre zone, c'est pas Alma Mater Atrium, c'est Alma Mater. Donc c'est pas pareil. Bon, j'ai pas combattu le boss, mais. Je vais regarder un petit peu cette zone-là. D'accord, il y a ce type de monstre là. Il y a un objet là-bas. Là, le saut, c'est même pas la peine d'essayer. Ici. Attends, si, si, si. Voilà, wow, celui-là, dis donc. Oh, non, non, là, c'est trop loin là. Ouais, c'est même pas la peine là. Là, c'est voué à la mort certaine. Alors là, je sens cette zone vraiment. Ça dégage une ambiance de mort. Ok, là. Attends, je vais utiliser aussi mon cube là. Parce que eux, à mon avis. Ouf! Oh mon pauvre, c'était violent. Synchronisateur de brèche. Yeah. Bouclier de disciples corrompus. Là, il y a encore un passage. Ah, je vais. Oh là, mais. D'accord. C'est pas comme fonce dessus qui est à moitié bloqué. Titre d'accès ministériel validé. Conversation suspecte enregistrée. Procédure. Procéder à la lecture. Ouais. Lecture. Évidemment, c'est toujours le même train-train. Je suis là en poste sur une station spatiale située à des milliards de kilomètres de chez moi et en orbite autour d'une singularité. Mais tout ce que je vois, c'est ce box perdu sur lequel j'étais coincé à Esperanto. Peut-être que je vais le faire d'ailleurs. En même temps, ce n'est pas comme si j'allais un jour rentrer à la maison. C'est pour ça que je me réjouis de ton arrivée. Ah, oui! Je dois faire attention, je sais. Mais même en faisant attention, ils peuvent me suivre à la trace partout sur la station, alors bon. Je regarde à travers la grille, il y a style d'ascenseur là-bas. Encore une ration. Je vois pas à quoi ça sert ça pour l'instant. Je suis allé au hub, mais j'ai pas vu l'utilité. Il y a des couloirs partout. Donc ici, escalier vers le bas. Par là, il y a des parois. C'était pas les monstres que je voyais là. Je crois que moi je venais de. Qu'est-ce que c'est ce machin là? Ouf, là il y a un pas beau. Il y a un vilain, il y a un monstre. Il y a un vilain monstre. Ok. Une pièce, ça? Ouais. Là, il y a une pièce. Attends, je peux y rester longtemps dessus, là? Non. Il y a un monstre vraiment hideux. Donc, il était par là. Ok, il est là-bas, je crois. Attends, voyons un peu. Wow, c'est quoi ce mastoc là?
style d'alien de dingos. Bon, là il y a encore une brèche, mais franchement je vois pas l'intérêt puisqu'on en a synchronisé une vraiment pas loin. Donc là c'est Alma Mater Atrium. Attends, attends, alors on va déjà regarder un petit peu ce qu'il y a là. Alors, je me méfie de l'autre l'autre mastodonte là, parce que à mon avis lui il doit faire bubu. Tiens, hop, une tige. Ici encore un autre objet matériaux. Comment j'y vais sur... Ouais, ben voilà. Voilà, voilà. Ok, donc là, il y a des sauts à effectuer. Ce que je déteste. Et puis là, là, ça. Et oui, oh, dis donc. Il n'y avait pas les mains, là, dis donc. Ah, les gars, vous faites pas bien le boulot. Une pièce juste là. Je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres trucs, là. Il y a des mains partout, mais attends, il n'y a rien. Ça, ici, oui, là. On va ramasser module de cognition, mais je l'ai déjà, ça. Ça, je l'ai déjà récupéré. Pas l'air d'y avoir de monstres en contrebas. Alors, la rencontre est prévue pour ce soir. Je ne t'en dirai. Je m'en tirerai pas envie. Ah, oh bah le pauvre. Ils savent que je n'ai pas joué le jeu. L'IA ne sera pas dépénalisée. Du moins, pas tout de suite. Pardon, Aja. Tout repose sur toi désormais. Bon, bah, je vais actionner ça. Hein. Chambre forte, fermée à clé. De la INB, fermée à clé. Ok, donc il va falloir un pass, quelque chose. Je ne l'ai pas. Bon. Ok. Ben faudra revenir ici. Hein. Alors, on a ces escaliers, on a les plateformes là-bas. On a le gros monstre de ce côté. Ouais, je vais commencer par les escaliers. Hein. Oh là là, c'est énorme. C'est énorme comment ça les déboîte. Mais c'est violent. Attends, attends. Il planquait rien, lui. Je me mets mal au piote parce que franchement, je vois pas trop des fois. Donc ici, on a un accès. Deuxième. Mince, plus d'énergie. Et eh oui. Oh là là, attention. Là par contre, il y en a deux. Là, je vais peut-être moins faire le fanfaron là. Ok, ils envoient leurs attaques à distance. Non, parce que là, deux. L'objectif, c'est je remonte ça. Donc quoi que je vais terminer comme ça, je te termine à la dague. Et là, du coup, l'autre, je pourrais l'éclater avec le cube de lumière. Il est où? Ok, il fait sa petite ronde.
Moi, je veux quand même jeter un petit peu là. Attends, on peut pas allumer un interrupteur, une lumière, quelque chose. Allez, on va te shooter avec le. Ouais, par contre, attention. Voilà. Intérêt de bien quand même le viser. Parce que si ça tape dans le bouclier, ça va pas faire grand-chose. Donc il y en a un autre ici. Hop, 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 il y a un trou là. Pouf, oh, j'ai failli tomber dedans. Donc on ira regarder après. Là, je vais déjà essayer de me repérer parce que beaucoup de choses. Moi, bon, je vais aller le péter l'autre là parce que lui, il va m'embêter. Voilà. J'ai remonté ça. Et maintenant, je te shoote avec mon cube. Des actions, il y en a pas mal. Là, encore des actions. Ah, que la lumière fût. Eh ben, c'est chouette ça. Donc là, on voit quand même nettement mieux. Donc, ok, ça marche. Là, j'avais tué le mob. Donc ici. Là, on a un accès là-bas. Là, la lumière, ok. Là-bas, on a un objet. Par ici. C'est fait. Et là, il me semble que. Ouais, voilà. Là, on peut y tomber, là. Il y a un objet en hauteur. Ça, je sais pas comment du tout comment on peut le récupérer. Ah, là, par contre, ça, j'avais pas vu. Ok, non, là j'y suis pas allé. Ouais, ok, tu m'as vu, je sais que tu m'as vu. Donc moi, je vais procéder déjà par le plus simple, ça. Je crois qu'il y a un. Il y en a un là. Ok, on met ça. Là, je me suis récupéré tout. Je vais essayer de le finir. Voilà, comme ça je le finis lui. Je me suis remonté un peu ma barre de vie. Là, il n'y a rien de ce côté. Par contre, là, l'objet, j'en ai aucune idée comment le récupérer. Ah, d'accord, je me retrouve ici à l'ascenseur. Et là, il y avait la stèle bizarre. Ok, bon, d'accord. D'accord. Et là, ouais, et là, eux, ils ont repop. Ça marche. Et je venais, en fin de compte, au début de la vidéo, je venais de en face, là-bas. Ça marche. Donc, premièrement, j'essaye de procéder par étapes. Donc, ici, je vais aller déjà là. Mettre ma loupiote, hein, parce que. Chambière sentinelle d'outre-monde. Qu'est-ce que c'est ça? Armure d'outre-monde. Je sais pas, je regarderai. Mais en tout cas, on a récupéré une armure. Ici, voilà, je peux tomber tranquille. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'était fait exprès. On récupère la clé de la chambre INB. C'est ce qu'on cherchait tout à l'heure. J'appuie à chaque fois sur carré, comme ça j'essaie de voir s'il n'y a pas des petits passages secrets. Ok, là je tombe où là? Je sais plus, là je sais pas du tout où je suis là. Alors là,
J'en ai aucune idée. Bon, bah on va explorer tout ça, hein. Escalier. C'est quoi ça? Interrupteur, non, la lumière, il y en a là. C'est quoi, un ascenseur? Yes, un ascenseur. D'accord. Ok, donc là, à mon avis, je peux descendre. Bon, on va faire déjà cet étage, hein, parce que sinon, on peut, à mon avis, vite, vite, vite se paumer. Parce que là, c'est bien, j'explore beaucoup de choses. Carbone. Alors, lui est complètement pendu. Pourquoi ce projet de loi concernant les expérimentations sur l'IA est-il constamment renvoyé à la Chambre? S'il faut davantage de protection contre ces lobbies, il faut me le dire. Sata, je te conseille vivement de revoir ta position après réception du premier courrier. Bon, en tout cas, toi, tu n'auras plus besoin de lire le courrier. Conducteur d'induction de bouclier. Là, je regarde ça ce que c'est. D'accord, il y a des étages en contrebas. Je pense que je vais quand même préférer monter. Si l'ascenseur, je l'ai fait monter ici. Je pense que je vais prendre les escaliers. Tiens, il y a un objet de l'autre côté là. Ça, je l'ai vu. Effigie craintive. Pour descendre le niveau de difficulté, mais là on est en niveau de difficulté, entre guillemets, on est en game normal. Hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu peux directement jouer en NG+. Et puis si tu vois que c'est trop dur, bah, avec ce truc, tu peux redescendre. NG normal. Alors attends, d'accord, là je suis revenu ici. Ok, là où il y a les plateformes et là où j'ai vu le big monstre qui était ici, là, qui faisait sa ronde. Alors j'espère qu'il n'a pas bougé parce que lui j'ai peut-être pas trop envie de me le... de me le voir arriver en face de moi. Donc là-bas, il y a les plateformes. Vous avez vu comme j'ai envie d'y aller. Hein. Pourquoi t'esquives? Ah, par contre, c'était ici qui nous demandait la carte qu'on a récupérée. Donc du coup, ça par contre, je vais aller regarder. Puisque là, maintenant, ça doit fonctionner. Voilà. Ouais. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc on a un objet là-dedans. Conducteur d'armes à feu et artillerie OTX. Il me semble que on a récupéré ça déjà. Ouf, combien ça c'est? 11 111. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Je pense que... Une pièce, d'accord. Donc ça doit être la main qui t'indique un petit peu la pièce. Hein. Je regarde quand même s'il n'y a pas un petit passage secret éventuellement. Hein. Bon, mais en tout cas, pas mal d'actions. On a 18 000 quand même, c'est pas dégueu. Ok, donc là, le petit passage ici, intéressant. Une pièce là encore.
Donc ça, c'est fait. Je vais remonter par ici. Et je vais regarder parce que... Donc moi, je suis retombé ici. Là-bas, il y a la stèle violette, là. Donc ça, j'ai pas compris ce que c'est. Enfin, on pourrait rentrer directement dans le truc, mais voilà, on va essayer de faire les choses intelligemment. On tourne en rond, on se paume très 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 vite. Hein. D'accord, là je suis redescendu. Les plateformes là-bas. Ok, c'est bon. Donc, il y avait un endroit, même deux, je crois. Il y avait une montée d'escalier. Et voilà, tiens, ici là, ça j'en suis sûr. Voilà, là j'y suis pas allé parce que lui là, je l'ai pas tué. Ah bien. Ouf. Oh, dans le dos, mon gars. Dans le dos, le cube. T'as pas kiffé, je te le dis, moi. Hop, hop, hop. Non, c'est là. Mais ici, est-ce que ça mène à quelque chose avant? Non. Non, là, il n'y a rien. Donc... Je vais partir de ce côté. Je vais regarder un petit peu. Il y a des monstres. J'ai plus par contre de... Ça serait peut-être pas mal par contre que je monte un petit peu l'énergie. Ok, elle remonte assez vite, mais je trouve que j'en ai quand même pas beaucoup. Ah, là on a une montée. Un élévateur. Et sinon, je vois rien de particulier. Bon, on va prendre l'élévateur. Oh. Ils veulent me cramer. Faut que je me laisse tomber là. J'aime pas ça. Je vois rien là. Je me laisse tomber tout doux là. Attends. Avant, je reprends. Voilà. Ouf. Ouf, ouais, t'as pas intérêt de te laisser tomber de trop loin. Ah, ok, l'objet qui était ici, ça marche. Bon. Et il y avait un escalier, donc ça, ok, voilà, l'escalier qui monte. Waouh, là on a une chambre. C'est magnifique là. C'est magnifique. Voilà l'ambiance, franchement, elle est terrible. Station occulte. Donc là, je peux imprimer. Je vais regarder ce que je peux imprimer. Modèle canon, donc ça c'est une arme. Une colonne, c'est une arme. Ah, mais c'est pas la même chose. C'est d'accord. Modèle de bouclier de disciple corrompu. Ouais, mais faut y... Ouais, d'accord, il me manque aussi un autre bouclier. Bon, bah donc du coup là je peux rien imprimer. Jambière de giste. J'avais pas récupéré ça déjà. Ça me dit qu'une chose. Hein. Les lunettes de sable, moi, bon, elles sont moins bien. Alors ça, par contre, les stats sont toutes pourries, mais je pense que si je mets 7 en réflexe et 2 en cognition, ça sera pas du tout la même chose. Ah, et là, il me manque 6 en force. Ah, c'est le casque des... Des chevaliers, on dirait bien. Ouais, du coup là les stats sont pourries parce que j'ai pas les prérequis. Ouais, donc ça à voir, hein. Ça peut être intéressant de voir ces stats.
Là, c'est pareil, il me faut deux en cognition. Ouais, mais j'ai pas envie de partir sur certaines forces, il me faut 6. Gant de turgiste. Ah non, et là c'est gant de scribe turgiste. Je pourrais les mettre, mais ils sont moins bien. Bon, ok, ça sera à regarder. Mais du coup, ouais. Du coup, je vais garder mes petits stocks d'actions là. Hop, c'est pas une pièce là? Oh putain, celle-là, je l'ai vue vraiment au dernier pet. Hein. Au dernier cara. Bon. Donc là, c'est fait. Après, peut-être qu'il faudra que je retourne à certains lieux, hein, pour parce que j'aurais pas compris certaines mécaniques, mais je pense que ça, c'est fait. Donc là, on a un ascenseur. Je vois pas où ça peut mener. Ici, on descend pour aller vers le hub. Et ça, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Eh ben, on va voir. On va voir ce que c'est. Quoique j'ai 21 000, attention, attention, ouais. On va réfléchir avant, ça serait bête quand même de les paumer. Donc je préfère à la rigueur retourner. Alors attention, ici, peut-être que je me trompe, mais bon, de toute façon, vu que j'ai réussi le saut, je vais pas me mettre complètement en bas. Ouais, parce qu'en plus, on tape contre la poutre là, ouais. Ça, à mon avis, c'est des coups à se casser la binette. Donc, je vais regarder déjà combien j'ai d'actions. Là, j'ai quand même. Ouais, j'ai surtout celui-là, là. 11 111. Donc ça, je vais les garder. Je vais les garder. Combien je peux prendre de niveau déjà? Que 2? Parce que là, ouais, là, faut bien regarder. Si j'investis des points en force. Et que l'armure est trop lourde, faudra que j'investisse après des ponts en charge. C'est un coup de poker là. Parce que là, moi, l'armure que j'ai, donc c'est mes défenses. Je pense qu'il doit quand même y avoir mieux. Hein. C'est une armure que j'ai chopée dès le début. Hein. Il faut 6 points en force. Il me manquera encore 3 niveaux. Bon. Je vais les mettre. Je vais les mettre et puis je vais plomber des actions. Regardez ça, voyons. Je suis à 10 000. Ok, un niveau. Bon, bah allez, du coup. Allez, du coup, on les prend. Là, je dois prendre encore un niveau de plus. Je suis à 5. Bon, il me manquera un niveau pour pouvoir mettre l'armure des chevaliers là. Oh putain. Ok, il est là le. Putain, c'est quoi cette langue qu'il a lui? Alors lui, il a pas intérêt de te faire une petite bise parce que du coup, je peux t'affirmer que. Qu'est-ce que je vais faire vite? Non, non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ah mince, mais c'est un cul-de-sac ça. Oh putain, j'ai cru que c'était lui. Je me suis dit, je l'ai pas vu. Ouais, non, je pensais pas que c'était ici. Alors là, par contre, s'il me tombe dessus. Il est où ce mastoc là? J'ai envie d'aller essayer les sauts, mais bon, moi je sais que je vais claquer, mais bon. Là, si je tombe ici, dans le couloir, et qu'il est juste en face de moi. Ok, il est là-bas.
Là, il y a du big monstre. Lui, à mon avis, il te fait pas de cadeau. Hein. Quand il doit te mettre des coups de griffe, je pense qu'il doit pas rigoler. Regarde un petit peu où il fait sa ronde. Bon, on va essayer d'aller vers les. Là-bas, là. Alors là, à mon avis, ça va être compliqué. Donc ça va. Là, ça m'a l'air une petite. Et là, faut faire un sacré saut pour atteindre la paroi. Il y avait un objet. Je vais regarder déjà de ce côté-là. Faut sauter là-bas, là. Là-bas, si je saute loin. Ouais, ouf. Moi, je préfère tomber là, moi. Ici. Ici. Et là, je récupère ça. Conducteur de bouclier. Ouais, mais bouclier, je m'en sers pas. Oula, alors là, sauter sur la plateforme, là. Ouais, non, ça, c'est. Ça me plaît pas, ça. Nous, on va partir par là. Hein. On va se TP. Hein. Autant utiliser. Je l'ai jamais utilisé. Prochaine faille. Ok. Donc, on a un objet que j'ai pas récupéré. Parce que il faut faire un grand saut. Il y a les mobs après. Je vais me remettre là. Donc. Que je me souvienne, oui, hop, voilà. Faut surtout appuyer sur carré parce que si t'appuies pas sur carré, tu t'accroches pas. Non, 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 hop, 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 la loupiote plutôt. Je veux ma petite loupiote. Voilà, donc j'ai envie de bah, d'essayer rapidement ça là. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Se connecter au monolithe de mauvais augure. Bon, bah, allez. On y va. Ah, j'ai pas essayé non plus le l'ascenseur qui était central là. Bon. Qu'est-ce que c'est là? Oula, là c'est sombre. On met la loupiote. Je peux pas la voir cette lumière. Par contre, mon cadran, tiens, il a changé. Le cadran, tiens. Est-ce que je peux repartir ou pas? Ouais, donc on peut sortir. Ok, donc déjà il y a une porte de sortie. Alors. Attention, il y en a un autre. Oh la mince, je l'ai touché. Si, si, il m'a vu lui. Tu m'as vu. 4. Oula. Ah ouais, non, mais tu fais mal, toi. Attention, il y en a un autre ou quoi? Ok, dégage, dégage, dégage. Ok, là, il fait vraiment mal. Ok, il y en avait un autre. D'accord, on se casse, on se casse. On se barre. Attends, on dirait le même lieu que j'ai. C'est quoi ça? Attends. Hop, 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 hop. Éclat de Nil. Qu'est-ce que c'est? Ouah, vas-y, il y en a partout là. Pourquoi il me. Là, j'ai mon anneau, donc ça va. Ouais, j'essaie de voir si j'ai récupéré des trucs. J'ai l'impression que c'est les mêmes zones que j'ai. Que j'ai faites, mais sauf que là elles sont sombres. D'accord, là je peux pas y accéder. Ouais, donc c'est un, on dirait une zone parallèle. C'est un crotinateur de brèche, yes. Voilà. Ok, donc là je vais vraiment bien fouiller.
Éclat de Nil. Voilà. Donc là, attention, si c'est le même truc, il faut que je tombe tout. Voilà. Compétence de soins. Ouais, ça vaut le coup quand même. Ça vaut vraiment le coup. Toi, par contre, t'es quasiment HS. Ouais, attention, il tire de loin, lui. Ok, toi, t'es dead. Il y en a un autre. T'es où? Là, c'est toi? Je sais pas si c'était toi, j'en suis pas sûr. En tout cas, toi, t'es dead. Il y en a encore un autre là. Est-ce que je peux lui envoyer un petit coup de cube? Oui. Voilà, c'est... Oh là 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 là! Vite, vite, vite. Ok. Ok, toi t'es dead. Là, il faut absolument que je me remonte beaucoup. Ça va, j'en ai encore. J'ai encore un soin. J'ai l'impression que la zone est comme si elle était inversée. Et on récolte beaucoup de roches et beaucoup de trucs de Nil. Alors, à quoi ça me sert? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai chopé un soin et un synchronisateur de brèche, donc c'est quand même vraiment bien. Ouais, là, c'est là où il y avait le pendu. Ouais, sauf qu'il était dans l'autre sens. Il était de ce côté, là. Bon, ouais, donc c'est inversé le truc. J'espère par contre que j'ai pas que c'est pas un timer le cadran là. Si c'est un timer, aïe aïe aïe. La fin du time, je suis dead. Peut-être. Ok, là-bas, objet. Toi tu vas prendre de mon cube. Voilà. Fais tes attaques. Voilà, comme ça tu meurs dans d'atroces souffrances. Ok, la loupiote. Ah ben voilà, j'aurais dû venir directement sur la loupiote. Encore un autre synchronisateur. Yes, c'est cool. Ça m'en fait deux. Et là, est-ce qu'il y a le truc? Ah non, là par contre, tiens, il n'y est pas. Il n'y a pas le... On peut pas retomber par là. Ici encore. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a récupéré vraiment beaucoup de choses. J'ai envie d'aller voir ici parce que du coup, c'est pas le même monde. Donc ça, c'est très sympa. À mon avis, il ne devait pas y en avoir qu'une porte comme ça. Il va y en avoir plusieurs. Ouais, d'accord. Là, on retombe. Qu'est-ce que c'est que ce mastoc? C'est un boss là? Attends, attends, attends. Parlez. Je suis celui qui est né des cendres, je suis l'éternel recommencement de l'agonie. En tout lieu où un chemin mène à la vie, nous mettons au supplice quiconque. En foule le sol fangeux. Il va surtout. Putain, il ressemble à Diablo, lui. Notre œuvre est presque achevée. Nous n'avons guère besoin de lever le petit doigt. Il est dans la nature même des gens de nuire les uns aux autres. Dis-moi, la souffrance est-elle agréable? Qu'est-ce qu'il nous propose? Non, nous devons mettre un terme à la souffrance coûte que coûte. Non, non, mais bah lui, il faut pas lui répondre ça, à mon avis. Il n'existe aucune vérité autre que la souffrance. La souffrance n'est ni un bien ni un mal. Je vais mettre dans son sens, voyons. Il n'existe aucune vérité autre que la souffrance. Tu perçois la nature même de l'existence.
Que la vie soit splendeur et magnificence, mort et souffrance sont indispensables. Une fois ta faiblesse mise au grand jour, la vulnérabilité d'autrui sera révélée. La douleur est le seul royaume digne de ta confiance. Tu es jeune, douleur et souffrance ne te sont pas inconnus, mais il te reste à découvrir les enfers. Accepte ma marque. Accepte le trépas, abandonne-moi ton âme. Devenir l'exécuteur d'Uthos. Oui. Ceux qui abritent la puissance en leur fort intérieur sont autorisés à communiquer avec moi. Ton esprit et ton enveloppe charnelle sont prêts à endurer l'agonie suprême. Je peux embraser ton âme et la forger pour la sublimer. Ton œuvre ici-bas sera de massacrer les faibles et les chétifs. Les comédiens d'en haut, ces abjects parasites et leurs pantins galvaudent le sens de la vie. C'est qui? Les comédiens d'en haut? Pourfend leur chair, mon esclave, apporte-moi 10 de leurs carcasses, je te donnerai un aperçu des flammes des enfers. Donc il faut que je tue des comédiens. Je sais même pas qui c'est les comédiens. Aucune idée. Bon, en tout cas, je suis rentré dans son sens, et là, d'accord, il m'a fait sortir de ça. Donc j'imagine que... Non, mais l'ascenseur là, attends. L'ascenseur ici, ça m'amène au... Ouais, mais attends. Peut-être pas... Faut tuer les comédiens ou je sais pas quoi. Avant peut-être d'aller lui reparler. Ouais, je vais pas y aller là. Dans le doute, je vais pas y aller. Attends, il m'attaque l'autre. J'ai vu un petit liseré blanc. Donc il y a des comédiens à tuer. Je sais pas du tout ce que c'est. Franchement. Je vais faire l'analyse un petit peu. Donc il y a un objet que j'ai pas chopé avec une paroi. De ce côté, il me semble que j'ai tout fait. J'ai récupéré pas mal de choses dans l'outre-monde là. De ce côté, c'est bon aussi. Ouais, non, mais toi, tu vas me laisser tranquille, s'il te plaît. Je vais te pourfendre par la lumière céleste. Alors, hop. Ah ouais, là, vous arrivez à 3, les gars. Ouais, non, là... Ouais, non, tu me mets de la lumière. Voilà, merci. Je pense que c'est pas mal hein, ce qu'on a fait dans cette zone-là. Mais il y avait en contrebas, oui. Il y avait en bas, j'y suis pas allé. Attends, comment je redescends au plus... Je suis obligé de passer par là-bas. Ouais, ok. Là, il y en a plein. On va les éviter. Hein. Je crois que c'est par là. J'aurais dû me TP tout simplement, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y aller, parce que je pense que la vidéo va pas tarder à se terminer. Ouais, puis attention, parce que là, il y a le gros... Il y a le vilain, là. Il y a le vilain qui est par ici, là. Donc, je vais essayer déjà d'aller, voilà, à la brèche, ici. Ok. Je vais pas la synchroniser. Ouais, bon, ok, ça fait 55 minutes. Bon. Je vais déjà mettre un point en force, ça c'est sûr. Comme ça, je vais voir un petit peu l'armure. Et puis déjà, on continuera la prochaine partie en partant vers le bas. Ici, ça m'emmenait où? Donc là, c'est Alma Mater, mais Atrium, d'accord.
Et bon, je voulais faire le boss, mais bon, on le fera par la suite, hein. On le fera par la suite. Là, bon, j'ai fait Alma Mater, du coup, c'est pas Atrium, mais alors, on va regarder déjà. Ok, déjà, je peux la mettre. Et je regarde un peu au niveau des stats. C'est mieux en physique, c'est moins bien en énergie. En heal, c'est mieux. En radiation, c'est mieux. Hop, non, le torse, le torse. Donc c'est celui-là. Ouais, le torse c'est mieux en physique. Bon, par contre en énergie c'est moins bien. Mais ici. Et chevalier noir. Sentinelle d'outre-monde. Ouais, c'est quand même nettement mieux. Alors, franchement, on a le style. Niveau déplacement, ça va. Niveau roulade, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Ouais, on a le style un petit peu. On ressemble à Spawn. On est un Spawn. Avec notre cube et notre dague, ouais, franchement, on a quand même le style. Franchement, bon, on n'aime pas, mais comparé à ce qu'on était au départ, on a quand même pas mal évolué notre personnage. Bon, je regarde vite fait. Ici, on a les mêmes cubes cognition, donc je pense que je le dégagerai, hein. Ça sert à rien d'en avoir deux. Je fais un petit tour rapide de ce qu'on a chopé. Donc là, rien de particulier. Mon cube, je vais regarder où il en est parce qu'il, ouais, il évolue tranquillement. La dague. Hop, la dague, elle est à bloc. On a récupéré lancer d'armes, donc tu lances ta dague, je l'ai essayé. Bon. Et ici, masse tourbillonnante protectrice. Voyons. Ah d'accord. Ouais. Ah par contre. Ah si, je m'en vais et ça me suit. Ouais. Non, je préfère... non, non. Je préfère les dégâts. Je préfère les dégâts. Ça s'en va pas. Bah, c'est pas grave, je vais rester. Si, au bout d'un certain temps, oui. Ok, bon, bah bien. Je reprendrai ici. Je pense que je vais pas farmer. Éventuellement, peut-être hors vidéo, j'irai peut-être chercher l'objet là au niveau du saut parce que je vais peut-être m'y reprendre en plusieurs fois. Pas sûr, mais bon, ça a l'air d'être un saut pas évident là. Faut courir, se projeter, et puis bon, il y a trois mobs. C'est pas trop les trois mobs qui me gênent. Enfin, s'ils me tombent les trois dessus, ça peut être chaud, mais bon, ça peut aller à la rigueur si on met notre nano. Mais c'est surtout le saut, parce qu'à mon avis, on doit pouvoir tomber assez vite. Bon, je l'essayerai, je verrai. Je le ferai peut-être hors vidéo ou pas. Bon, c'est pas grave. Si je... De toute façon, comme je vous ai dit, j'aurai peut-être pas tout. Enfin, j'aurai pas tous les objets du jeu, hein, mais on est sur un premier run, donc ça vous montre quand même pas mal de choses. Bon, sur ce. Je vous dis ciao ciao à tous, on se revoit très très vite pour la suite de ce let's play. Allez, à plus tout le monde!